Aujourd'hui, édition spéciale Laura pour la 11e émission de la petite émission. Salut à toutes et à tous, mais quel été de merde aujourd'hui, je sais pas pour vous, mais chez moi, il pleut souvent, et c'est pour ça que je me suis dit, je vais partager avec vous un petit comique bien sympa. Aujourd'hui, fan de Tolkien et autres Donjons et Dragons, ouvre bien grand tes mirettes et tes esgourdes car je vais te parler de Red Queens, l'une des plus grandes épopées d'Heroic Fantasy jamais comptée en BD. Nous sommes dans le royaume de Palissade et tout irait dans le meilleur des mondes s'il n'y avait pas les Red Queens. Nos héroïnes. Regarde ce que tu montres. Nos héroïnes. Un groupe de mercenaires ingérables, aussi bien portés sur la fête, les drogues et l'alcool que sur le découpage de trolls et d'orques. Après une énième bagarre dans un bar, notre groupe composé de Dee la guérisseuse, Violette la naine, Betty la lutine et Hannah l'elfe est puni et doit nettoyer une contrée loin de Palissade. Très loin de Palissade. Bien évidemment, les choses vont tourner mal et ça va chier! Et je vais m'arrêter là pour l'histoire, pour que vous puissiez la découvrir par vous-même. Oh. Red Queen's tome 1, Donjons et Dragons, est dessiné par John Rock Upchurch. Je ne connaissais pas du tout ce dessinateur et c'est grâce à cette BD que je l'ai découvert. Son trait est très propre et très clair, assez moderne, même si les personnages qu'il représente au final restent très classiques. Il détaille très peu ses arrière-plans, un peu comme Fiona Staples pour Saga. Mais ici c'est moins gênant car le découpage et le cadrage rendent l'ensemble plus dynamique tout en restant très lisible. La colorisation est magnifique, en toute adéquation avec l'ambiance et le dessin. Bon. Normal en même temps, parce que dans ce cas-là, le coloriste et le dessinateur sont la même et unique personne. Facilite les choses quand même. Passons à l'histoire maintenant, écrite par Curtis J. Weebeck, que j'ai découvert justement avec cette BD. L'histoire et la narration ne révolutionnent pas le genre. Loin de là. Quoique très bien rythmée et réservant quelques surprises, l'histoire reste classique et ne surprendra pas l'habitué de ce genre. Ben, pourquoi tu nous parles de ça, vous devez vous dire. Attends une seconde, je vais te le dire. Ce qui fait l'originalité de cette histoire, c'est bel et bien ses personnages. Entre l'elfe nympho et klepto, une naine dileuse, une demi-elfe démoniste et une prêtresse asociale, on a de quoi s'amuser. Entre leur langage très grossier et vulgaire, leur dialogue aux petits oignons, ça vanne tout le temps. Leurs préoccupations, comment trouver de l'argent pour boire, leurs gestuels, on a affaire à des héroïnes très modernes évoluant dans un contexte très classique. Rappelant les jeux de rôle, la magie de Tolkien avec les elfes, les orques et compagnie. Comme vous l'aurez compris, on a des personnages atypiques pour ce genre d'histoire. Mais les quatre héroïnes ne se réduisent pas à un twist amusant et sexy, non, sur les figures bien connues des amateurs du genre, mais présentent chacune une personnalité et un passé beaucoup plus nuancé qu'il y paraît. Des personnages féminins charismatiques défendant certaines causes actuelles. Lutte contre la différence, le sexisme, la liberté de la femme, l'homosexualité. Le tout saupoudré de combats bien badass et d'humour. Il vous faut quoi de plus? Alors vous vous en doutez, vu le langage et les événements, faut pas offrir ça à des gamins. C'est une lecture pour public averti. Donc si vous voulez vous mettre aux comics ou offrir un récit original à un fan de fantasy, Red Queens, tome 1, Donjons et Dragons, est pour vous, édité par Urban, pour 10€ sur internet ou entre 13 et 15 au magasin. Un récit décomplexé et plein d'humour, dynamitant le genre avec talent et fraîcheur. Une petite pépite méconnue, malheureusement. Je pourrais vous raconter bien plus sur ce petit comique, mais je préfère que vous le découvrirez par vous-même et que vous venez ensuite en discuter dans les commentaires. Sur ce, bonne lecture, bisous bisous, et à la prochaine. C'était pas bien.